Et yo tout le monde, ici Gamecon pour ce nouvel épisode de The Legend of Zelda Skyward Sword sur la Wii comme d'habitude. Laisse-moi me rappeler que dans le dernier épisode on pourrait dire visiter le passé d'Hyrule. Ouais, là on est dans le passé avec cette servante dame qui est Impa. Puis là, il faut qu'on retourne dans notre époque, donc on y retourne. Ah, puis aussi, j'ai oublié de vous dire que Zelda s'est enfermé dans le trésor jusqu'à temps que l'avatar du néant soit repoussé. Donc, là, Zelda est dans un cristal. Puis c'est ça. Là, on peut revenir à notre époque. Si je ne me trompe pas, il y a une cinématique. Je sais que vous allez y aller. Ouais. C'est ça que j'ai pas été dans le dernier épisode en fait, c'est ce que je veux dire. Eh oui. Tu es de retour, Link? Alors, tu sais tout à présent. Derrière cette porte, Zelda est plongée dans un profond sommeil. Ne crains rien, elle est toujours en vie. Comme le dit la légende, la déesse a dissimulé la triforce, la puissance qui éliminera l'avatar du néant à Célestebourg. Mais nul n'en connaît l'emplacement exact. Il n'a jamais été révélé. Link, comme tu l'auras compris, la clé pour trouver la triforce se trouve quelque part à Célestebourg. Va et trouve la triforce. Et pas si vite. Quoi? Link, j'aurais quelque chose à te demander. Ouais. Ok. Okay. Dis-moi, Zelda, elle va bien? Oui. C'était vrai, tant mieux. C'est vrai, tant mieux. Mais c'est pas encore fini, hein? Non. Bon, tu sais, Link, j'ai décidé de ne pas retourner à Célestebourg. J'avais vivre ici avec Mimi. Prends pas ça personnel, je suis très content de ma décision. Je ne sais pas comment t'expliquer, je sens que j'ai encore quelque chose à accomplir ici. Il faut surveiller le gros monstre et puis il faut s'occuper de Mémé. C'est peut-être pas aussi grandiose que ta mission, mais c'est peut-être ma destinée à moi. Je pense que tu peux comprendre ce que je veux dire. Et puis j'aime ça ici. C'était bien de vivre dans le ciel, mais j'aime bien avoir les deux pieds sur terre. Ok. Regarde ça. Grâce à Zelda et Mimi, la vie reprend sur cette terre. Si on plantait une pousse ici, je suis sûr qu'elle deviendrait un grand arbre bien solide au fil des années. Au fil des ans, ça mettrait encore plus de vie. Enfin, ça prend des années pour qu'un arbre soit bien grand, mais il faut savoir être patient des fois. C'est comme ça que je vois les choses en ce moment. Et puis, si tu retournes à Célestebourg, dis bonjour à tout le monde de ma part. Dis-leur que je vais bien et que j'aime mon nouveau chez moi. Mes compères Orbo et Latrux s'en remettront sûrement. Ouais, c'est ça qu'il dit. Merci, Link. Ok, bye bye. Tu viens un banc? Oui, j'ai un banc. Oui, m'assois. Bye bye. Quand je regarde Mimi, je me dis que je ne serais pas capable de la laisser toute seule. Surtout, va pas raconter à mes gars que je m'occupe d'une vieille, hein? Ok. Ouais, mais je m'en fous de savoir ça. Bon. Je m'en fous de savoir ta vie, m'en vais à Célestebourg. Bon, c'est décidé. Je vais aller par là. Bon. Ouais, il me parlait de sa vie, c'était le fun. Là, je m'en fous de sa vie. Donc, on s'en va tout à Célestebourg. Je vais pas dire bonjour à tout le monde parce que je l'aime pas. Non, c'est que... Mais. Non, sérieux, je m'en vais à Célestebourg. Ah, la statue. Bye bye.
retourner dans le ciel. Oui, bon, on s'en va dans le ciel. Pour aller à Célesbo pour apprendre plus sur la fameuse Triforce. Ouais. Parce que on sait rien sur la Triforce. En tout cas le personnage, mais mettons. Moi je sais c'est quoi la Triforce. Selon Ocarina of Time, là je parle. Mais c'est ça. Là, il m'en va à Célesbo. Apprendre plus sur la Triforce. C'est marché. L'école, je vais aller à l'école. Peut-être qu'ils savent c'est quoi la Triforce. Go. À l'école. Bon, ça. Je m'en vais dans l'école. Ah, j'ai été sur le toit en plus. C'est le fun. Bon, ok, à l'école. Peut-être que, mettons, Monsieur Gaipora doit en savoir. Ouais. Allez, Monsieur Gaipora, je sais même pas comment le prononcer, mais pas grave. Monsieur, ça c'est les toilettes. Non, une salle de bain en fait. Pas grave. Il doit être là, Monsieur Gaipora, parce que c'est une grande porte. J'espère qu'il est là. Monsieur Gaipora, il faut que je vous parle. Oh Link, tu as retrouvé la piste de Zelda? Que se passe-t-il? Dis-moi tout, je t'en prie. Tu ne peux pas en parler maintenant. C'est ça, même si tu aimerais pouvoir le faire. Link, j'ai bien réfléchi à ce que je pouvais faire pour toi. Ta quête pour trouver Zelda te contraint à la solitude. C'est là ta destinée. Je me suis donc demandé ce qu'un vieillard comme moi pouvait t'apporter. Et c'est la connaissance. Tu peux me poser n'importe quelle question concernant Célébo. En fait, tu veux savoir ce que je connais de la Triforce. Où as-tu entendu parler de cela? Il existe de nombreux écrits anciens qui traitent de la Triforce. Mais aucun ne fait mention du lieu où elle se trouve. Cela reste donc un mystère. Je t'avais promis la connaissance et je ne peux t'en apprendre plus à ce sujet. Tu m'en vois réellement désolé. Mais va-t'en, tu sais même pas ce qu'est la Triforce. Attends une seconde, Link. C'est peut-être une piste. Tu sais qu'il existe un esprit déçu très ancien appelé Nafisa, n'est-ce pas? Aussi loin que remonte la mémoire de Nafisa a veillé sur les cieux. C'est un sage dont les connaissances dépassent l'imagination. Il sait certainement quelque chose sur la Triforce. Où est-il? Bonne question. Comme tu l'as toi-même remarqué, un étrange cumulonimbus géant a fait son apparition dans le ciel récemment. Il est fort possible que Nafisa ait été enfermé à l'intérieur. J'ai donc demandé à Maître Arfa de vérifier cette information, étudiant cet énorme nuage. Il ne m'a pas encore rendu son rapport avec toute cette agitation autour de la disparition de Zelda. Pourquoi n'irais-tu pas demander à Maître Arfan ce qu'il sait sur Nafisa? Ok. Je vais aller le voir. Je sais même pas où, mais pas grave. Ça doit être lui qui s'occupait de la chevauchée céleste au début. Oui. Je vais peut-être descendre, peut-être qu'il est là. Bon. Allez, you. Il est pas là en tout cas. Il est pas là. Attends. Je vais aller voir là. Dehors. Je m'en vais dehors pour voir ce qu'il est là. Pour que ça, c'est quoi la Triforce. Je vais voir c'est quoi la Triforce. Huh?
Bon, une autre idée. Il a monté, go. Go, monte. Tu vas te sauter, go, saute. Go par là. Peut-être qui est ou qui est la statue de la déesse. Go, on y va. J'espère qu'il est là. Tourne pas, retard, go. C'est pas toi. Mais t'as faim. Ah, t'es. Où es-tu? Ah! Bon, il est pas là. Je veux pas retrouver la fille tout de suite. C'est long. En fait, non, c'est pas long. Je veux juste que ce soit la nuit. Je sais que c'est quoi la quête. J'ai déjà fait. Ça me manque pas, il n'y a pas. Bon. Je suis mort. Ah! Manquez-vous. Mais parfum, encore tous les côtés de ces livres, c'est fun. Oh, maître Arpin, où es-tu? C'est pas toi, putain. Je vais te donner des coups d'épée si tu pourrais. Non, ok, bon, sérieux. Plus de sérieuxité. Maître Arpin, je crois que c'est ça son nom. C'est pas toi. Toi, t'es le petit. Toi, non, toi, c'est le gars avec la tête des citrouilles, non. Le pire, c'est vrai, en plus. Putain, je vois. Il y a une tête de citrouille, regardez. Bon, ok. Fini les conneries. On doit retrouver le mal parfum. Je sais même pas il est où. Peut-être dans sa maison. C'est quelle maison, je sais même pas, ils disent pas. Ils sont censés le dire si c'est une maison d'une personne qu'on connaît. Je pense. Me semble. Je vais galérer pour le trouver. Bon, l'épisode, ça va être juste d'essayer de le trouver. Ouais, non, bah, sérieux. Ah, je veux retrouver le maître Arpin. Pas maître Arpin. C'est une fille. Ouais, très perspicace. Bon, ok, pas grave. Maître Arpin, où es-tu? Bon, je vais pleurer, là. Je le trouve pas. Bon, je sais même pas ce qu'est la maison. Je pense que je rentre avant. Pour savoir ce qu'est la maison. Ah, ce serait plus logique. Logique. La maison qui ça? Ils veulent dormir dans leur lit. On voit que c'est la maison qui. Non. Peut-être qu'il est dans. En fait, il va aller fouiller plus à l'école. Parce que c'est un mec. Peut-être qu'il est à l'école. On va voir. Pas trop fouillé à l'école. Tenteur de main. Bon, ok. On va aller voir l'école. Peut-être qu'il est là. Je peux remonter dessus, c'est fort. Bon. Go. Plutôt que je vois. C'est pas important. Ah, j'ai trouvé le maître Arpin, il est où? C'est une statue, mon fou, bon. Maître Arpin, où es-tu? Bon, je vais rentrer à l'école pour trouver. Il est où le maître Arpin? Maître Arpin! Bon. En plus, il m'a pas dit où il se trouvait. Donc, je vous trouve, c'est fun. Je suis plavé Kimzina, peu belle. Attends, je veux pas te voir. Je veux voir le maître Arpin. Ça, c'est un acolyte d'Argo. Ça, c'est leur sang. Ils dorment ensemble. Les autres dorment tout seul, sauf lui. C'est quoi l'âme, ma sang, non. Ça, c'est la sang avec qui? Sang d'Argo, m'en fous. Là, qu'est-ce qu'il y a dans sa... Peut-être qu'il est là, en fait. C'est trop con pour savoir qu'il est dans une sorte de club. Non, c'est une fille qui avait un costume comme moi. Non. Ah, c'est la première fille que je vois avec un costume comme moi. Ouais. Bon, pas grave, on s'en fout. On s'en fout. Je vais trouver le mec. Mais, ah, la chambre d'Arpin, peut-être qu'il est là. Mais oui, il est là. Oh, j'ai galéré dans toute Salisbourg, puis j'ai trouvé dans sa chambre. Merde. Alors, bon, ok.
Oh Link, comment se passe la recherche de Zelda? Tu l'as trouvé? Quoi? Le grand Narisa, c'est le directeur qui t'en a parlé? Oui, il se trouve bien à l'intérieur du Cumulonimbus. Mais il ne s'agit plus de Narisa. Du Narisa que nous connaissons. Et il est devenu un monstre. Il a la même apparence qu'auparavant, mais lorsque j'ai essayé de l'approcher, il s'est rié sur moi. J'ai vu dans ses yeux un regard plein de harmonie. Est-ce qu'il est réellement changé? Ou bien est-il possédé? Ou j'ai eu une cette impression? Quoi? Tu voudrais parler à Narisa? C'est impossible. Dans son état, il n'est plus en mesure de comprendre le langage des humains. De plus, même si tu réussissais à t'en approcher, il t'enverrait probablement choisir la tête la première. T'enverrait probablement la tête la première dans une histoire de nuages et pas en douceur. Quoi? Tu souhaites le rencontrer quand même? Je vois. Tu penses qu'il pourrait t'aider à retrouver Zelda? Je comprends. Il ne m'appartient pas de tenter de t'arrêter. Oh, il me vient une idée sous moi. Ok. Je te suis. Hey! Bon, à l'intérieur du Cumulonimbus, le grand Narisa avait l'air possédé. En éliminant la source du mal de son corps, il est peut-être possible de rendre à Narisa son esprit d'antan. Link, je vais tenter la technique secrète des seuls chevaucheurs de Célestier Étrier. L'attaque tournade. L'attaque tournade est une puissante attaque grâce à laquelle tu pourras éliminer le mal qui infecte Narisa. Il te suffira d'appuyer sur A pour la réaliser. Mais comme elle provoque une accélération plus longue que l'attaque normale, ton oiseau sera plus difficile à contrôler. C'est une technique de haut vol réservée à l'élite des chevaucheurs. C'est un peu tôt pour toi, mais le temps est venu de tester tes compétences. Commence par plonger et appeler ton oiseau. Ok, bye bye. Bon là, ça c'est une technique, la première fois que j'ai fait le jeu que j'ai galéré dessus. Donc ça va être drôle, j'ai galéré dessus. Bien Link. J'ai appris à ton célestré à tournoyer lorsque tu appuies sur A. Là, vous comprenez pourquoi que je vais galérer. Tu dois utiliser l'attaque tournade en appuyant sur A pour détruire 10 cibles parmi les restés devant toi. Si tu parviens à détruire 10 cibles en moins de 120 secondes, ça veut dire 2 minutes, tu seras un véritable chevaucheur. C'est ça, vas-y maintenant. Ah non, à côté en plus. Ça c'est fun. Faut pas que j'en mange quand je suis en vision. C'est ça. Écoutez. Bon, rêve pas. Putain. C'est ce qui est facile quand t'es collé à vie. Et puis tu. Ah mais. Il faut. Bon. Je sais même pas si tu peux recommencer. Non, je sais pas. Bon, va pas. Puis là, ben, je vais sûrement recommencer, c'est pratiquement certain qu'il est assez difficile à contrôler, je vous dis. Si vous avez déjà fait le jeu, que j'en ai plus. Là, il me reste tout ça. Il me reste 6 à voir. Ah, bon. Ça, il faut pas que tu fonces sur les racines. Il me reste 1 minute. Je vais pas l'avoir. Si j'ai enfin. Si j'ai, je m'accroupis. C'est sûr que je veux pas. Non, c'est juste. Excusez-moi. J'ai de la misère.
J'ai de la difficulté à contrôler mon feu de soutien. Bon. Il me reste 3 voix. Donc go. 2. Là, veux-tu la voir? Pensez. Ouh, je l'ai eu! Ouh, je l'ai eu! Je pensais que je l'aurais pas. Ouh, je l'ai eu! Yeah, je suis fier de moi. Je suis fier. Bon, ok. Je suis fier. Oh, tu as réussi à détruire 10 cibles dans le temps imparti. Vous avez brillamment démontré vos compétences, ton célestier vermeil et toi. Je t'autorise donc à utiliser l'attaque tournade. Des véritables. Des véritables sauve-sauve. Bon. Il te reste à trouver le grand Navisa. Pour cela, va parler au patron de la citrouille percée qui lui offre 5 années de la soupe. Demande-lui donc ce qu'il sait. Ok. Merci. Je vais vous le dire, la première fois, j'ai galéré. C'est n'importe quoi comment je l'ai eu. Je pensais que j'aurais même pas. Ah, c'est fou. Bon, ok. Super de moi. Bon, l'épisode va s'arrêter là. Non, c'est quoi? Ben, faut pas déconner, 20 minutes, là. C'est, je trouve pas que c'est assez. Même si c'est un internet de... Un internet de... Pas très bon. Si là, tu trouves percé, je pense que c'est quoi? Citrouille percé. Elle doit être là parce que ça s'appelle l'île aux citrouilles. Ça doit être par là. Là, faut sauver. Mais il est plus rapide, c'est fun. Mais il est plus difficile à contrôler. Par contre, par là. Par là. Ouais, par là. Go. Ah, je vois la pointe. Bon, je vais mettre, je vais faire ça. Oh, qui est excellent. On dirait qu'il est excellent, mais je pense pas. C'est pas sûr. On s'en fout. Bon, avance. Vous allez à l'île aux citrouilles. Pour aller à la citrouille percée. Go. Je vais prendre l'accélérateur qui est là. Go. Yes, oui. Bon, ok. Le citron percé doit être à quelque part là. Ouais. Je vais enlever le point. Qui ne me sert plus à rien. Go. Je vais aller parler au patron de la citrouille percée. Et on y va. Salut, ok. La première fois que j'y vais pour ceux qui ont une cinématique, c'est vrai. Bon, et la citrouille percée, je vais aller lui parler. Mais qu'est-ce que tu fais assis là? Ben, j'imagine que tout le monde a besoin de se reposer un moment. Pour réfléchir tranquillement de temps en temps, détends-toi pour être longtemps. Non, faut pas, c'est vrai que je parle en arrière du comptoir. En arrière du comptoir. Hey. Bienvenue à la citrouille percée, le bistrot préféré des plus grands sauveurs du ciel. Tu ne trouves, tu trouveras ma délicieuse soupe de citrouille maison nulle par ailleurs. Nulle par ailleurs, ok. Mais qu'est-ce que tu sais ce que ce visage sont? Tu m'appelles dans ton piston, en vérité. Narisa. Je connais bien Narisa en effet. Mais je ne savais pas qu'il avait des ennuis. Tous les ans, je lui apporte une grosse marmite débordante de soupe de citrouille. Mais avec un gros nuage, je ne peux plus me rendre là-bas. Narisa n'a donc pas eu de soupe cette année. J'en suis fort peiné. Qu'est-ce que tu dis? Tu voudrais apporter ma soupe à Narisa? Je ne vois pas comment tu vas régler le problème du nuage. Mais bon.
Puisque c'est un Arisa que tu vas essayer d'apporter ma soupe, je vais faire la meilleure saudronnée de ma carrière. Bon, désolé, c'est pas mal. Attends-moi ici, je viens d'être saisi d'une irrésistible pulsion de création culinaire. Ok. Bon. Bon, bref, et voilà. Ça fait des décennies que je popote et j'avoue que c'est la meilleure soupe de citrouille que j'ai jamais faite. Mike, je vais immédiatement convoquer le robot. Oh, j'aime pas lui. Mademoiselle Fée, me voilà. Eh ben, voilà ma cargaison qui pèse son poids. Mais je ferai n'importe quoi pour faire. Bon, je t'attends dehors. On part quand tu veux. Bon, je vais partir. J'apportais toujours ma soupe à Narza sur la petite île avec un arc-en-ciel à l'intérieur du gros nuage. Tu la reconnaîtras tout de suite en la voyant en bon sens. Ok, ben c'est sûr, j'ai vu quand que... si vous vous souvenez, quand que j'étais à l'île aux champs. Ouais, c'est ça, on l'avait vu. Donc, c'est facile à reconnaître parce que c'est la seule île avec un arc-en-ciel. Donc, c'est ça. Bon, on s'en va dans le Cumulo Nimbus. Go. So, et c'est un humour. Bon, c'est beau. On s'en va dans le nuage qui est par le Cumulo Nimbus. Monte. Bon, vas-y, monte encore. Ah, il faut que la citrouille perso soit à l'autre bout. À l'autre musée. Bon. Autre côté. Ok. Allez, vous rentrez dedans. Allez, une accélération, ça fait toujours plaisir. Là, on est rendu à Salzbourg, donc on est bientôt rendu au Cumulo Nimbus. On voit l'entrée. Bon, ça c'est mon mot. On y va. Bon. Attention. Là, c'est des gros tours pour esquiver les tournages, c'est fort. Bon, ok, go. On voit bien l'île avec la chancelle dessus, donc on voit là-bas. Go! Elle est l'arc-en-ciel. Ouais! On va bientôt arriver, go! On est arrivé, donc je me laisse poser. Bon, je dépose la soupe de citrouille juste ici. Drôle d'endroit pour les de la soupe. Et pas très rassurant non plus. On dirait qu'on pourrait se faire attaquer à tout moment. Ça y est, j'ai fait ma part de me sauver. Ok. Oh, je commence à faire sombre. Oh, quelqu'un qui sort d'une. Un gros monstre.
Le grand esprit déçu, Narizo. Ah, c'est toi, Narizo. Salut, Narizo, ça va? T'as l'air méchant. Bye bye. Ça, c'est un boss combat avec Dainsu. On peut pas le battre autrement. Là, il faut qu'on éclate ses yeux. Parce que dans ces Zelda, à chaque fois qu'on voit des yeux, il faut qu'on les éclate. Et c'est ça la vie. Attention, je ne sais même pas ce qu'on me donne du coup. Je pense que ça va. Non, mon petit. Ah, éclaté. Mais là, il m'a aussi. Ah, je donne déjà. J'ai de la difficulté, non? Il tient le ton. Merde. Ah, ok, bon, il peut me donner des coups. Ça, c'était. Éclate-le. Bon, il est éclaté. Là, je descends pour attaquer ses yeux en dessous. Comme qu'on peut le voir, quand il m'arrête ça, parce que l'autre, je les ai éclatés. Ah bon, ah, c'est ça. Il va venir trop vite. Non, c'est trop vite. Attends-moi. Je vais être avec toi à la fin. Ah, tourne. Bon, il me semble que je vais plus vite. Vite, toi, je suis. Ah, il me donne des queues. Non, merde. Bon, j'ai déjà lu mon procès. Ceux qui écoutent, il y a des arrêts sensibles. Go! Arrête donc de bouger. Juste écraser l'œil qui a l'air pas naturel. Ah! Attends, je vais enlever. C'est pour ça qu'on a appris l'attaque tournade avant. C'est pour l'attaquer. Si vous l'avez pas remarqué. Go! Est-ce que ça m'aide à attirer? Merde! Attends-moi! Ah! Allez! Ah ouais! Bon, éclate. Non, éclate. Ok, bon, j'ai éclaté. Là, il y a quelque chose qui sort. C'est quoi ça? Bon, là, il faut qu'on aille dessus. Bon, faut qu'on aille dessus de nous, ok? Go! Bon, ok, là, j'allais là. Bon, ici, lui, il faut combattre. C'est la bestiole qui le paralyse. Qui s'appelle la page de jeu. J'ai un déclic. J'ai pas le temps de dire son nom. Ah, c'est vrai qu'il faut qu'on fasse ça, en fait. Hop, c'est ça. C'est ça qu'il faut refaire pour briser ces yeux. Avec la capacité de la Wii Motion. Je pense que c'est même pas si j'utilise mon arc en fait. C'est pas que j'utilise mon arc. J'utilise les boules qui envoient. Avec la capacité de la Wii Motion Plus, diviser correctement. C'est assez difficile parce que c'est la Wii Motion Plus, c'est assez difficile à contrôler. Mais moi, selon moi, là, mais c'est votre opinion, même pas si vous pouvez utiliser cette question de vote, c'est pas ça. Ah, moi. Non, c'est un pas. Dernier. Allez. Il travaille, pas grave. Bon, pas eu, pas grave. 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 Pas grave
pour faire rager, hein, avec le positif. Ah, mauvais bord, mauvais côté qui a envoyé. Tiré. Non, il le fait au centre maintenant. C'est bien ce qui se passe. Putain. Putain, c'est difficile là parce qu'il décide de t'envoyer d'un bord ou de l'autre. Mais je pense qu'il y a un sort. Je sais même pas si c'est un centre ordonné. C'est pas grave. Ah, c'est bien assez top de. C'est aussi difficile de le faire à la dernière minute le changement de direction. Donc c'est bon, c'est ça. J'essaie de faire à la dernière minute un changement de direction, mais c'est assez difficile. C'est une trouble à bon. Go up et finir. Si tu as envie de te battre, bon, je vais battre le temps. Non, je peux pas. S'il disparaît, ça veut dire que je l'ai battu. Puis il disparaît, donc j'ai battu. Tu vas mieux? Non, ça va mieux. Quand ça va mieux? Un bizarre. Oh là, il y a de la lumière dans le minibus, c'est fun. Bon. C'est toi qui m'as apporté ma soupe de citrouille préférée, petit humain. J'espère que tu sauras me pardonner après avoir été possédé par cet atroce parasite. Par cet atroce parasite. Pourquoi j'ai mis au final, je sais pas. J'ai perdu la région, mais tout ça est derrière nous. J'ai repris mes esprits en humain, l'arôme de cette bonne soupe. Merci, petit humain. Je suis Nerd, le grand esprit qui veille sur les cieux. Je servais la déesse. Il y a aujourd'hui disparu. Il y a. Ça fait bizarre de dire, il y a aujourd'hui disparu. Mais c'est ça. Bon, tu t'appelles donc Ling, petit humain. Tes parents t'ont donné un fort joli nom. Ah, merci. Je suis content. Oh, mais cette épée est ce pouvoir que je décèle en ton cœur. What the... Pourquoi j'ai dit ça? Regarde, Ling, tu es donc le héros élu par la déesse. J'en déduis que tu es venu me parler de la Tifon. Ben oui. Je m'en doutais. Très bien, je vais te dire ce que je sais. Comme tu le sais, sans doute, lorsque les serviteurs du mal ont essayé de s'emparer de la Triforce, la déesse a tout fait pour les en apprécier. Elle a donc cassé la Triforce à Célestbo, dans un endroit connu d'elle seule. Je ne sais donc pas non plus où elle se trouve. Mais la déesse m'a laissé une indice. Et c'est le sang du héros. Que tu peux jouer avec la lyre, petit humain. Avec ta lyre. Le sang du héros est la clé qui mène à l'endroit où la Triforce s'est cassée. La déesse a divisé le chant en quatre mélodies. Et en a donné une à chacun des trois dragons ainsi qu'à moi-même. Tu dois donc rassembler toutes les mélodies du sang du héros. Lorsque tu auras obtenu les trois premières, je compléterai le sang en te fredonnant la dernière. Bien, les dragons se trouvent dans la forêt de Furon, au volcan d'Ordin et au désert de l'Anel. Va les trouver. Ok. Bye bye. Là, c'est ça notre mission, d'aller trouver les chants pour faire le chant du héros. Donc je m'en vais à Célestbo, puis on va se quitter là parce que ça fait déjà 40 minutes que je tourne, donc go, ça fait assez long pour moi. Puis c'est ça. Surtout que je veux pas que ça prenne des 5-6 heures avant finir un upload, ok? Je vous dis. Parce que c'est un réseau assez merci. C'est ce que je disais. Bah c'est pas bon.
Ouais. Puis d'habitude, je les upload à mon école qui prend genre 10 minutes, même pas. Puis ça peut prendre 5-6 heures avec mon réseau privé parce qu'il est pourri. Puis j'avoue. Bon. Bon, peut-être tu vas arrêter, c'est les beaux. Parce qu'il y a des statues là-bas. Puis j'aime ça arrêter de voir des statues. Bon, je go. C'est plus facile pour moi pour être les marges. C'est sûr que si ça serait comme dans Chain of Time ou qu'il y aurait des sauvegardes tout seul, là, ben des sauvegardes avec le menu, c'est sûr que j'arrêterais n'importe où. Là. Mais là, je sais pas. Parce que c'est plus facile avec des sauvegardes, selon moi. Je sais même pas que ça m'a déjà vu de sauvegarder. J'arrêtais plus loin d'une statue dans l'esprit. Bon, ok, j'arrête de faire n'importe quoi. Là. Il y a une statue là, donc vous arrêtez là. Bon. C'est même pas là que je voulais arrêter. Ah, oh, je suis triste. Je m'en vais. Oups. Attends. Bon, ok. Je sais pas pourquoi il est venu faire un tour. Bah, c'est pas moi qui vais pas parler. Bon. Pas grave, on s'en fout. What? Ah, j'ai perdu. Bon. Pas grave. Ah. Maintenant, toi, tu décides de me passer. Bon, pas grave, on a fini. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des dernières actualités. Commenter, partager, ça fera plaisir. Commenter pour des trucs et des astuces. Likez la vidéo si ça vous a plu. C'est ça. On a appris beaucoup d'infos. On a appris le sang de la tournade. Le sang de la tournade. Ouais. Non, on a appris la tête tournade. Avec notre célestrier. On a vu Narisa, l'esprit du ciel. On a vu quoi aussi. On a un petit peu parlé de la Triforce, mais on sait pas plus c'est quoi la Triforce. C'est fun. On va peut-être le savoir dans le prochain épisode ou quand on va réunir les trois chats. Mais c'est ça. Sur ça, c'est ça. Ciao, bye, à la prochaine.